Bonjour à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Order 1886. Donc la dernière fois, on s'était laissé là dans la navette. Et donc du coup, on devait prendre d'assaut le cockpit, etc., etc. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. Il ne semble pas y avoir de garde. Dépêchons. Attendez mon signal. Avec moi. Vite. Allez, on fait la queue comme les enfants. Sécurisez le cockpit et attendez des instructions. Ah d'accord. J'attendais comme un con que me prenne la main pour monter, mais j'ai pas eu le droit. À mon avis, on est des Anglais. Personne ne demande ton avis. Les gardes n'ont pas remarqué que nous étions en train. On dirait une fermeture magnétique. Cherchons l'unité de contrôle. Sous-plémation de la fermeture magnétique. Ouais, enfin, comment dire voilà, j'étais un peu coincé. On pourrait couper son alimentation. Oui, aussi. Oh putain, oh non. Ah non. Oh yes. Une chance sur 10 et j'ai réussi. Deuxième coup, mais j'ai réussi quand même. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je m'en vais? Meilleur vaisseau. Voilà. Galahad, Lafayette, on vient d'affronter la résistance des gardes de la compagnie. Ils tirent pour tuer. Ripostez si nécessaire. Compris. Hop là, et on descend. Merde, 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 con, 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 con. J'ai fait de la merde. Tu vois, j'ai appuyé trop tôt. Activer les disjoncteurs. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça marche beaucoup mieux. Je suis perdu dans le cockpit là quand même. Hein. Je sais même pas qui est notre copain. Hein. Perceval. T'es pas par là. Ah mais je suis con ou je suis con? Enfin, j'ai cul con, mais quand même, quoi. C'est pas par là, de toute façon.
Là par là, c'est mort. Ah, de là. Ok. Je vous suis, monsieur. J'envoie trois dans le cockpit. Le garde pourrait nous donner du fil à retordre. Il suffira d'improviser. On s'installe, les gars. Prochain amarrage à Portsmouth. Dans quelques jours, on devrait rejoindre les Amériques. Grenade fumigène. Au signal. Oui, chef. Je sais lorsqu'on est en vol, même quand je suis dans la troupe. Mais là... Ah. Oh, la technique. Prenons ce dirigeable au nom de la liberté. Perceval, cockpit sécurisé. Lafayette restera à la barre. Quel est ton statut? Lord Hastings est à proximité de la grande salle au-delà de ta position. Nous essayons de le repérer. Bien rapidement. Bien reçu. Je t'appelle quand j'ai fini la reconnaissance. N'oublie pas, on garde toujours la main sur la barre. Je m'en occupe, monsieur. Attends, la grande salle sans se faire repérer. Donc la grande salle, à mon avis, c'est la salle où je vais aller tout à l'heure et je pouvais pas. Quoi. Enfin, je pouvais pas. Où j'étais bloqué. Oups. Non, il est parti il y a quelques minutes. Il s'est peut-être arrêté pour fumer une cigarette. Votre voix ne me dit rien. Le capitaine est-il disponible? Il était là-bas, occupé à piloter le dirigeable. Je vais envoyer quelqu'un chercher Bellet. S'il n'y a rien d'autre, retournons au travail. Au revoir. Le mec, il a rien capté quand même, la conversation Lafayette et lui. Mais pourquoi j'arrive pas là? Voilà, quand même. Allez. Il y a du monde. La compagnie a posté des snipers à Blackwall. C'est une rumeur. Mais évitez les quais, prudence. Et s'il s'avère que c'est vrai, ne volez pas. Je regarde quand même autour de moi parce que. Là, je suppose que je peux pas passer, voilà, je m'en doutais de toute façon. Merde. Ah putain de con de merde. Excusez-moi. Alors. Ah ouais, faut tout recommencer de là. Non, ah non, c'est là que je me suis fait gauler. Ah putain, ok. Ok. Merde, putain! J'ai mal appuyé, je m'en doutais, de toute façon. Ah, c'est terrible ça, putain! Ah,
Allez, c'est parti. On est motivé. Ok, bonjour mon pote. Je vais leur prendre un verre. Voilà. L'eau, je sais pas où il est parti. Ok, il est là. Ok, il est là. Vas-y. Et baisse ta tête, ça, mon gars. Et hop là. Ça, c'est réglé. Ce con. D'accord, je pensais qu'il serait venu par là, mais en fait non. Et quoi là? Ok, pas grand chose d'intéressant. Non, c'est de l'autre côté. Ouais, vas-y. Reste un petit peu en bug, notre garçon. Oh, il y a du monde. Perceval, nous avons un problème. Lucan est à bord. Mon frère ? Qu'est-ce que le commandant fait ici ? Tout semble se dérouler sans encombre. Oui, messieurs Lucan, sans encombre. Nous serons à Portsmouth dans quelques heures. C'est cela. Puis en route pour les Amériques. Bon sang. Je me suis fait l'ordre jusqu'à ce que le dirigeable soit aux frontières. Doit-on l'informer de la situation ? Et alerter un agent rebelle ? Yala, t'as raison. Alastair n'appréciera pas d'être mis à l'écart. On s'en souciera plus tard. Ton aide sera précieuse si la situation devient critique. Suivons le plan prévu. Entendu. Je vous préviens quand j'ai un meilleur point de vue. T'as la discrétion, c'est pas lui, hein, franchement. Y'a pas un qui va le voir alors que les barreaux sont ouverts et tout. Sniper. Silencieux. Ça marche. En position. N'utilise ton arme qu'une fois la cible confirmée. Tire en attente. Les rebelles portent des uniformes volés de la compagnie et recouvreront les gardes. Les gardes sont les insignes adéquats. Les uniformes de Whitechapel n'avaient pas d'insigne d'épaule. En effet, tiens-moi informé. Poum. Tourne-toi, je puisse voir. C'est quoi, c'est tuer les rebelles en uniforme? Insigne confirmé. Le garde le plus proche d'Hastings est OK. Excellent. Occupe-toi des gardes restants. Pas d'insigne. Perceval, on a un rebelle au niveau 0. Compris. Continue de chercher.
Un insigne. Perceval, le garde en haut des escaliers n'est pas un usurpateur. Bien, cherche encore. Je cherche. Je n'arrive pas à voir la bonne épaule. Bon sang, pas d'insigne. Il y a un rebelle sur le balcon de l'autre côté. Bien sûr. Passez tout ça en vue. C'était le dernier. Bien. Élimine toutes les menaces. Bien compris. Arme chargée. Bonne chasse. Un de moins. Il n'y en a plus qu'un. L'autre, c'était celui-là, je crois. Gala, non. As-tu éliminé les rebelles? Pas encore. Attendez. Lutant! Voilà. Des rebelles! Faites sortir Hastings! Faites-le sortir! Hastings est enfui, besoin de renfort! Attention, on passe au plan B! Perceval, cible à terre! Rebelle en approche, j'ai besoin de renfort! Entendu, on te rejoint tout de suite! Il faut pas arrêter de bouger aussi les mecs là, ça a raison. Allez, on continue, on est bien parti. Bien, pouce fleur, j'ai cru que c'était un mec, normal. Sans souci, sans stress. Bien. Vas-y, monte ton bras, mon pote. Vas-y, montre. Boum. Hop, ça en prend. Et on prend également ça. Et hop là. Il n'y a plus personne pour sniper. C'est quoi ce flingue de merde? Des armes incendiées à bord d'un véhicule. Aïe. Aïe. Ah ouais, non mais c'est quoi ce... cette mitraillette ou pistolet? Je sais même pas ce que j'ai récupéré. Ah, le recul, sérieux. Merde. Ah putain, foiré. Hop. Merde. Merde. Foiré qui descend, toi. Merde. Merde, putain. Hop, ça t'est fait un de moins. Hop, deux de moins. Merde.
chier ce con. Allez. Voilà, quand même. Des armes incendiaires à bord d'un dirigeable. Je me planque un peu quand même. Hein. Fais attention! Je vais te soigner, chevalier. C'est ce que je peux pas les avoir. Ah putain. Ah putain! Allez, lève-toi. Lève-toi et marche. Allez. Voilà. Allez. Allez de putain. Allez. Moi aussi je peux le faire, hein. Hein, fils de pute. Les gardes de la compagnie sont passés en alerte maximale. Les amateurs ont tiré sur tous les deux. Hop. Allez. Par là. Dégage, bordel! Hein? Ta fille de pute, je t'avais pas vu quoi! Ah putain! On dit être surpris comme une merde, hein! Non, c'est pas par là. Je sais plus par où aller. Nulle part, voilà. Qu'est-ce que c'était ça? Une bombe vient d'exploser près du moteur avant. Écoutez! On se replie. Oui, madame. Toi. Écoutez, toi. Un chef rebelle est à bord. C'est la femme de Whitechapel. Je la poursuis. Je la poursuis. Ne la laisse surtout pas s'échapper. Nous faisons face à une situation d'urgence. L'extrême d'urgence. Que tous les passagers suivent les signalisations pour arriver à l'évacuation. C'est pas vrai. Perceval, j'ai pu capturer l'un des rebelles. Parfait, attachez-le bien, je serai bientôt là. Par où dois-je aller? Mes recherches. Négatif. Rends-toi aux embarcations. Il y a plus grave. Les rebelles disposent d'un second dispositif. Bon sang. Très bien. J'arrive tout de suite. Mm-hmm. C'est ça ton idée de raisonnable. Nous n'aurions pas pu anticiper de telles circonstances. Ta mission à Whitechapel était de rester caché. Les derniers rapports font état de nombreux morts, mais aussi de la destruction de l'hôpital royal. Et maintenant ça? Je compte bien tenir ma parole.
J'assumerai seul la responsabilité de toutes les conséquences éventuelles. Sébastien, tu auras compris que je ne peux pas faire grand-chose pour te protéger de la colère du grand chancelier, ou même de l'ordre. Ton père entendra raison. L'urgence, c'est de trouver son second dispositif avant qu'il n'explose. Chevalier, je vous prie, nous devons quitter ce dirigeable avant que ça se dégrade. Le Sire Lucan vous escortera et supervisera l'évacuation. Nous devons continuer les recherches. La situation nécessite l'intervention de tous. Il est impensable que vous restiez à bord. Nous nous rejoindrons au deck possible. Izzy, occupe-toi d'eux, puis rends-toi au cockpit. Non, je viens avec toi. Izzy, tu dois trouver Lafayette et partir d'ici. Ton frère m'a chargé de te ramener saine et sauve. Fais-le. Pour moi. Il faut des armes. Il y a un poste de garde pas loin. Nous utiliserons les armes de la compagnie. Les saboteurs. Eh ben, on trouvera les saboteurs une prochaine fois, les amis. Donc là, pour l'instant, on va se laisser là. Et on va se retrouver le prochainement pour... pour chercher les saboteurs, justement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à bientôt sur JSO Gaming.